l'application doit être réalisée de manière aléatoire tout en tirant la matière pour éviter de créer un effet pommelé ou peau d'orange. Laissez sécher 12 heures. Appliquez la sous-couche en une seule fois sans vous interrompre dans votre travail. Il est primordial d'appliquer la sous-couche de façon aléatoire et en dents de scie, en variant les angles pour ne pas créer de lignes droites visibles à l'œil. Commencez en haut à droite si vous êtes droitier et en haut à gauche si vous êtes gaucher. Nous vous conseillons de réchampir au fur et à mesure de l'avancement du mur. Chargez le grand rouleau de sous-couche et essorez-le uniformément sur la grille. La dépose de la sous-couche doit être la plus régulière possible pour éviter les surépaisseurs qui pourraient ensuite apparaître sur le résultat final. Afin de créer des lignes brisées et éviter les lignes droites, tournez le rouleau de manière à avoir la monture en métal à droite si vous êtes droitier et inversement si vous êtes gaucher. Prenez un outil dans chaque main. Après avoir déposé la chaux au rouleau sur environ 80 cm², brossez-la dans le frais avec la brosse à chaux en croisant et en griffant la matière pour lui donner un léger relief. Variez les angles du geste et finissez le mouvement sur une partie sèche. L'application de la chaux doit être réalisée d'un seul tenant. Ne vous arrêtez pas en cours de route. Commencez votre travail avec des brosses propres et sèches. Si besoin, vous pouvez utiliser un sèche-cheveux pour accélérer le séchage des outils. Commencez en haut à droite si vous êtes droitier et en haut à gauche si vous êtes gaucher. Au niveau des extrémités du mur, utilisez la brosse à réchampir. Trempez ensuite directement la brosse à chaux dans le seau et venez la déposer sur le mur. Faites des gestes croisés pour éviter que la chaux ne garde en mémoire des lignes droites qui seraient inesthétiques. Votre geste doit être très souple, caressant et léger comme un geste de badigeon. Enlevez les rubans adhésifs de masquage. Si vous constatez des manques, réalisez les retouches à l'aide d'un petit pot testeur ressources, dans la même teinte que votre mur, ainsi qu'un petit pinceau. N'utilisez jamais la chaux qui laisserait des traces blanches pour réaliser les retouches. Seule notre finition mate poudrée ne laissera pas de traces.